Alors, bonjour Sophie, bonjour Mickaël, bonjour Florence. Bonjour Florent, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Alors, vous êtes en état modifié de conscience et nous avons fait toutes les vérifications nécessaires. Alors, on va commencer l'enquête et l'enquête du jour va être sur l'écologie. J'aimerais déjà savoir quelles sont les premières informations que vous avez. Avec ce mot de écologie. Oui, Sophie. Le premier truc que je vois, c'est le champignon d'un, tu sais, d'une explosion atomique Ouais, d'accord. en rapport avec le fait que ça perturbe beaucoup l'équilibre écologique. D'accord. C'est comme si c'était ce qu'il y a de pire pour l'écologie. C'est le premier truc qu'on m'a montré. Eh bien, écoute, reste sur cette impression et puis essaye d'aller plus loin sur ce champignon. Michael, qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, j'ai quelque chose de totalement déséquilibré, mais pas. C'est comme si les choses étaient séparées en deux et que l'écologie était du mauvais côté. D'accord. Qu'est-ce que tu Dans veux la dire façon de par. pratiquer pour l'humain, parce que je sens qu'il y a un sens derrière ce mot qui est presque plus noble que ce qu'il est. Que ce qu'il est aujourd'hui en fait. D'accord, ouais. Par rapport à l'énergie qu'il a aujourd'hui. Ouais. Et d'un côté, il y a aussi ce... Il est... Tu vois, j'ai l'impression que le mot écologie, ça axe sur le comprendre plutôt que de ressentir. D'accord, intéressant. Ben, je veux bien que tu ailles sur ce côté plus noble, du coup, de ce mot écologie, pour aller voir. Florence, qu'est-ce que tu as comme première information, première ressentie? Moi, je vois une personne qui a un filet de pêche et il ramasse des poissons. Alors, les poissons sont pas en bonne santé, ils sont noirs, gluants, il y en a très peu. Et j'entends les fonds marins sont pas en bonne santé. Comme une dévastation du milieu. D'accord. Et puis, il y a aussi des fausses informations sur l'écologie. Donc, de ton côté, c'est comme pour Sophie, il y a quelque chose, c'est les premières sensations que vous avez sont plutôt d'ordre négatif, on va dire, plutôt que positif. Mais il y a quand même des fausses informations qui nous font, en fait, qui nous enferment dans une idée que ça va mal. Ça l'est en effet. Mais il y a des informations qui font en sorte qu'on pense que ça va vraiment mal. Tu veux dire que ce mot est détourné en fait finalement. Ben, en fait, on essaie d'un peu de nous culpabiliser sur de montrer une image très noire de la situation, plus qu'elle ne l'est. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas les bonnes solutions qui sont mises en œuvre pour mieux. Comme une... Autour de ce mot, ouais, je sens comme une sorte d'égrégore quoi, qui est pas vraiment. Oui, Sophie. Ouais, donc j'ai regardé un peu pourquoi ça m'amenait directement sur une explosion nucléaire. Parce que ça me dit, c'est que si tu veux, jusqu'à la première explosion nucléaire, là, ils ont fait des tests de bombes nucléaires dans des endroits isolés. Il y avait un certain équilibre écologique et que ça l'a perturbé. Et du coup, je regardais parce que je me disais, mais avant tout ça, il y a aussi l'industrialisation, y polluer, etc. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que ça, c'est pas si grave par rapport à une explosion nucléaire, parce qu'en fait, la Terre est capable de nettoyer ce qui est dégagé par les industries et tout ça. D'accord, Que par par contre, une explosion nucléaire, ça a vraiment un impact au niveau physique et au niveau plus subtil, et ça perturbe très fort. Et ce que ça me dit, c'est que si aujourd'hui on a autant de perturbations par rapport à avant, parce que
que je ressens aussi, que c'est que c'est pas si négatif que ça, qu'il y ait ces perturbations-là. Mais que ça a commencé vraiment avec ces. Enfin, c'est surtout ces explosions nucléaires qui ont changé changé les choses au niveau de l'équilibre écologique sur la Terre. Et ce que je ressens aussi, c'est que, en fait, c'est ça, donc ça a fait que ça a changé, il y a des plantes qui ont disparu, il y a des animaux qui ont disparu, mais que, en fait, c'est dans l'ordre des choses, parce qu'il y a des choses qui doivent disparaître de la Terre. D'accord. Et donc c'est pas si négatif que ça. Donc on va dire que c'est suivant les fréquences de la Terre, il y a des Ouais. choses qui se passent, qui évoluent dans un sens et dans l'autre. C'est ça. Nickel, est-ce que tu avais d'autres informations par rapport à ce Ouais. côté noble que tu voyais? Ouais, bah déjà j'avais le mot oui, enfin je reviens après, mais j'avais le mot écologie, économie, écologie, économie, écologie, économie. Ça tournait en boucle. Mais par contre, j'ai l'impression que ce mot écologie, il est plus néfaste pour l'homme que pour la Terre, en fait. J'ai plutôt que ce mot, il a été créé pour l'homme et pas pour la Terre. Et comme disait Sophie, pour la Terre, tout ce qui arrive, c'est juste. Donc en fait, on est plutôt sur une manipulation, une mentalisation un peu C'est excessive, ça. tout le monde. D'accord, C'est je ça. comprends. Au début, ce que j'avais, c'était de. Le, parce que le mot, c'était enfin, de comprendre la planète, son fonctionnement, l'écosystème, mais comprendre avec la tête au lieu de le D'accord, le ressentir avec ressentir. le cœur. Très bien. Et je sens que c'est une manipulation du coup mentale, mais Qui qui a prend plus tout. d'impact sur l'humain Ouais. que ce qu'elle a sur la planète. D'accord, je comprends. Alors, je vais vous lire la définition de écologie. C'est science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Par rapport à cette définition, est-ce qu'on peut en conclure qu'actuellement, le relationnel entre les êtres de cette planète ne se fait plus? Qu'est-ce que vous avez comme information? Ouais. Moi, il manque, c'est bien la compréhension, mais il manque ce lien du cœur. Donc ce Pour serait ça en fait, justement. le lien, le relationnel que tu voyais, c'est le lien Ben, avec le il cœur. faut les. Voilà. Pour moi, quand j'entends la définition, ça commence bien, mais il manque quelque chose. D'accord. J'ai l'impression que c'est comprendre, mais que comprendre et analyser, en fait, au lieu de. Il manque un côté ressentir pour moi. D'accord. Au niveau du cœur, donc se placer au niveau du cœur. Ouais, Sophie. Ouais, en fait, ce que je vois, donc ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est presque, ça me dit, tout est juste, tu vois. Au final, quoi qu'il arrive, l'équilibre va se refaire avec ce qui est là, au moment T sur Terre. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va toujours, il va toujours se refaire une sorte d'équilibre. Et c'est ça au niveau écologique, entre les animaux, les plantes. Ça va s'adapter. Et c'est vrai que si je regarde le mot écologie, on dirait qu'il y a comme une espèce d'égrégore autour et qu'on on utilise cette notion pour faire, au final, pour, on est toujours dans les mêmes trucs, hein, pour faire peur aux gens et continuer à, tu sais, continuer à les manipuler avec ses préoccupations. Il faut garder l'équilibre, etc. Alors qu'au final, l'équilibre, il sera toujours là, quoi qu'on D'accord. fasse. Je comprends. Et ouais, nickel. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils se piègent tout seuls, hein, dans ce cercle-là. Alors, quel cercle? De quel cercle tu parles? Mais pour moi, il y a cette noblesse du mot qui, pour moi, auquel il manque quelque chose, parce que je pense que l'intention à la base était bonne, et même le c'est plutôt une bonne chose d'étudier ces écosystèmes et la place des individus, les échanges entre eux, mais que là, à l'état actuel des choses, ce que génère ce mot, et comme disait Sophie, qu'il a été utilisé pour manipuler, mais j'ai l'impression que les gens se piègent tout seuls. J'ai pas l'impression que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Je sais pas comment le dire, comment l'exprimer. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent, ils vont là pour aller contre quelque chose.
Tu vois, j'ai l'impression que, enfin, je le sens en moi, ça fait comme deux directions, mais je prends celle-là en opposition à celle-là, alors que c'est pas comme ça qu'on fait des Tu veux choix. dire que les gens font plus les choses contre aujourd'hui alors qu'ils devraient faire les choses plutôt pour? C'est ça? Il y a un Ben, peu ils cette vont vers hiérarchie-là? l'écologie en voulant être contre quelque chose. En opposition à Ouais, quelque je vois. chose, ils choisissent ce camp-là. Et j'ai l'impression que c'est. Ah, c'est une sorte de Du coup, dualité. c'est. Voilà, et puis du C'est coup, ça. dans ce groupe un peu écologiste, ben, y a, qui à la base pouvait être de bonnes énergies, là, du coup, il y a, c'est mélangé avec des. Pas forcément mauvaises énergies, mais qui sont pas en osmose avec ce vrai mot. Parce qu'il y a des gens, D'accord. justement, qui sont pas allés là par choix, par conviction, mais par opposition. D'accord, ouais, je C'est comprends. comme ça que je ressens. Florence, est-ce que tu as de l'information? Oui. Alors quand Michael a parlé d'écologie, économie, là, ça m'a. J'ai vu qu'en effet, il y avait une influence financière en fait sur l'écologie. Un but avec les taxes là, qui permettent de récupérer de l'argent. Et puis aussi, j'ai une responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, l'écologie, au lieu que ce soit programmé, que l'on fasse des événements pour avoir bonne conscience, en fait, il faut se responsabiliser tout seul, pas ne rien avoir à faire avec par rapport aux autres. Quand on fait par rapport aux autres, c'est pour avoir bonne conscience. Alors qu'en fait, par exemple, si on voit quelque chose qui traîne, il faudrait le ramasser, le mettre tout de suite à la poubelle, au lieu de faire, par exemple, des. Je sais que dans ma commune, il y a des journées printemps où on ramasse les déchets, mais il faudra le faire en permanence. Et le fait de ramasser une fois dans l'année, on a bonne conscience. Et puis, en fait, il faudrait vraiment être pensé en permanence. Donc, les mots Dire que responsabilité. ce soit intrinsèque à toi, en fait, dans le C'est-à-dire que respect des de. fois, il y a des événements qui permettent de déculpabiliser, même de se déresponsabiliser. Alors qu'en soi, l'événement est bien, mais les personnes ne se responsabilisent pas vraiment. En Donc, il fait, faut éviter, en fait, sans c'est se toujours mettre en un rapport peu. avec les autres. Ouais, je sens qu'il y a toujours un En peu conscience. la faute des autres, quoi. Oui, La voilà, il y faute a de l'un, il y l'espèce a. de culpabilité parce qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Et puis en même temps, le fait de faire une action, de faire une action collective, on se déresponsabilise de toutes les petites actions quotidiennes qu'on pourrait faire en restant humble et sans chercher à le montrer aux autres. Voilà, donc c'est une responsabilité qui apparaît, qui est importante. Sophie, qu'est-ce De que tu voir avais? que. Pardon, mais oui, Oui, vas-y. j'avais aussi que dans écologie, il y a le logis, c'est notre maison, donc c'est prendre soin de notre maison. Comme on fait le ménage dans sa maison, il faut le faire partout, en fait, hein, pour se sentir bien. Et alors, bah, du coup, je vais te demander, moi, ça me connecte un peu aussi à l'écologie intérieure de l'être humain, tout ça, un peu quand tu parles de la maison, de son soi intérieur, finalement. Notre soin intérieur. J'aimerais bien que tu regardes s'il y a un lien entre notre écologie intérieure et cette écologie extérieure, en fait. Et quel est ce lien? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Pendant que tu regardes, je vais donner la parole à Sophie. Qu'est-ce que tu voyais, Sophie? Ouais, je suis restée sur l'égrégore de l'écologie. Et alors, ça montre une évolution. Donc, je vois comme si, quand tu as un égrégore qui se crée comme ça, au départ, il est neutre. Donc, il n'y a pas de notre point de vue, hein, il n'y a pas de positif ou de négatif. Et en fait, je vois comme si, à un moment donné, on a commencé à mettre. Je vois comme quelqu'un qui vient, qui met des petites graines de peur dans ce concept-là. Et en fait, ça a attiré d'autres énergies de peur. Et je vois qu'au final, au fur et à mesure du temps, que le temps s'écoule dans cet égrégore, donc tu avais le côté neutre, alors tu as du côté positif aussi qui arrive, mais tu as toute cette peur comme ça qui vient grignoter et qui s'installe dans l'égrégore. Et j'ai l'impression que maintenant, si tu regardes l'égrégore maintenant, il y a vraiment une grosse partie de peur dans cet Ouais, égrégore. je Et sens c'est une vrai que, base. ouais, et c'est vrai que, comme disait Michael, en fait, je l'entendais dire. On entretient cette. Enfin, c'est nous qui faisons ça, on entretient cette.
cet état de fait par rapport à l'écologie, mais je vois qu'il y a vraiment eu juste, tu vois, une petite étincelle au départ, quelque chose qui a mis ça, et puis c'est vrai qu'on est venu dedans et on l'a entretenu, et c'est devenu plus grand dans cet égrégore. Et donc du coup, tu as beaucoup de fréquences assez basses autour de tout ce concept Finalement. d'écologie. Ouais. Finalement, ouais. Bah, écoute, je vais te demander de regarder un peu comme Florence. Il y a notamment cette phrase qui dit pas d'écologie intérieure sans écologie extérieure. J'aimerais bien que tu regardes cette écologie intérieure de l'être, justement. Et Mickaël, oui, est-ce que tu captais? Ben moi justement je voyais c'est comme si j'avais le mot écologie en premier plan devant moi et comme si j'avais une grosse masse devant et j'essayais de prendre des chemins un peu détournés pour aller vers ce mot-là et en fait ça m'a fait voir un peu la naissance de l'écologie où ceux qui pratiquaient l'écologie les premiers en fait sans qu'elle soit encore dénaturée et en fait je voyais des gens qui vraiment enfin, j'en avais des frissons. Ils étaient stupéfaits de voir l'intelligence des choses, D'accord, ouais. de comment ça fonctionnait, des échanges que ça arrivait à avoir. Et du coup, ils ont voulu défendre ça. Mais un peu comme si, tu sais, tu faisais une grande découverte, tu étais tellement heureux et tu voulais le partager à tout le monde. Ouais, tout à Et fait. ils ont voulu faire ça. Et j'ai l'impression que un peu trop vite. Et ils ont été un peu incompris. Et vite, on est allé contre eux parce que je pense qu'il y avait trop un écart de conscience, en fait. Et c'est là Ouais, qu'il s'est créé une séparation entre écologie et les non-écologistes, en fait. parce que pour moi, quand tu dis ça, ça me parle de tout un univers, en fait. Ça parle de l'univers, de la création, du fonctionnement, Ouais, mais du même vivant. juste à l'échelle, parce que moi, ça me montrait juste des biologistes qui étaient sur une petite surface de terre et qui rien que étudiaient tous les petits insectes, tout, rien que ça. Justement, ces mini-écolieux, enfin, c'est pas ce terme-là, mais aussi ces mini-écosystèmes, mais rien que ça, eux, ils étaient, ils étaient tellement respectueux de la vie et de l'intelligence qu'il y avait, et tellement étonnés de ça qu'ils voulaient le protéger. D'accord. C'est ça que, enfin, du coup, tellement qu'ils voulaient secouer les gens et dire mais rendez-vous compte, sauf que ça a fait. Ça part en fait d'une bonne intention, d'une belle observation de ce qu'est le vivant. Ouais. Et puis finalement, ça a été récupéré et puis, on va dire, Alors, détourné. récupérer, du coup, c'est parce que. Enfin, moi, je sens c'est comme s'il y avait deux forces extrêmes qui se voyaient d'un coup et qui posaient. Je pense que ça aurait pu être plus soft si d'un certain côté, ceux qui avaient fait des découvertes les avaient amenés plus en douceur. Non, Et du coup, il y avait un truc que je sentais. Attends, c'était. Oui, c'était après que ça avait été. Ben c'est là où après l'économie a pris le dessus parce que justement il fallait les faire taire ils allaient contre les écosystèmes et tout ça, enfin niveau agriculture et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ça bloquait l'économie quelque part. Florence, est-ce que tu as des informations? Oui, alors par rapport à l'écologie, le lien entre l'écologie et l'écologie aussi de son propre corps, oui, il y a un lien. Alors j'ai vu en fait l'image d'un enfant qui pleure, capricieux, qui veut manger des bonbons parce que ça lui fait plaisir. Ben, après, il a les dents cariées. Donc en Ouais. fait, c'est un peu, on me montre un peu que les hommes n'ont pas une bonne. Agissent en fonction de leurs pulsions, leurs désirs, mais ils ne cherchent pas à comprendre en fait le fonctionnement de leur corps. Il y a vraiment une très mauvaise connaissance du fonctionnement de leur corps, même si il y a une petite certaines personnes commencent à se lancer vers cette voie. Mais donc, comme il y a une mauvaise connaissance du corps et qu'il n'y a aucune éducation qui est faite là-dessus, du corps et du fonctionnement du corps avec toutes les pensées, l'environnement n'est pas compris, donc c'est pour ça que je vois aussi des dysfonctionnements au niveau du corps.
y a toute une éducation à faire là-dessus, hein, sur l'écologie, le fonctionnement du corps et les relations entre les pensées et le corps. Moi, j'ai vu le mot détox, mais en fait, le détox, c'est le mot facile. C'est, on pense qu'on va se purifier avec un détox, mais ça va bien plus loin que le détox. Hein, il faut... Alors, est-ce qu'il y a notamment, quand tu dis ça, est-ce qu'il y a notamment une sorte de spiritualité à apporter à cette écologie intérieure et comme quelque chose de plus concret. Plus soi. Quelque chose de vraiment une éducation. On fait attention à ce que l'on mange, à comment ça a été produit, à quel impact ça a sur le corps, à se limiter, à être dans la modération. C'est plus une éducation tous les jours, hein, de voir un peu voilà, une éducation et une conscience qu'on devrait porter dessus. D'accord. Alors que là, je vois tout le contraire avec les restaurants McDo, la jeune fille, tout ça. Voilà, on est plutôt dans les pulsions de désir et d'assouvir et de se faire plaisir et de ne pas suivre la vibration du corps et de ce qu'il est, ouais. Finalement, voilà. C'est plus dans la destruction que finalement. Ouais, on n'est pas à l'écoute de son environnement, de l'environnement du corps. On est plus dans la tête, voilà, parce que des désirs rapides. Et pas. Moi, je vois plus une éducation qui doit être faite. Hein. Donc, ça prend du temps aussi de s'éduquer. Hein. C'est pas comme ça en un seul moment. Et puis, comme disait Mickaël, un retour vers le cœur, quand même. Ce retour au niveau du cœur. Ah oui, c'est toujours par rapport au cœur. Oui. Ok, bah continue à regarder. Sophie, qu'est-ce que tu as ? Oui, alors quand j'observais l'écologie intérieure, ça me dit équilibre écologique intérieur et ça me ramène au niveau de la cellule. Ouais. Ça me dit que tout se situe dans le corps humain, tout se situe au niveau de la cellule et qu'en fait, maintenir l'équilibre du corps, ça revient à maintenir l'équilibre des cellules. Non, c'est le contraire. C'est que pour maintenir l'équilibre du corps, il faut maintenir l'équilibre au niveau des cellules. Alors que de base, ça se fait relativement naturellement, mais qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent perturber cet équilibre. Je vois que, en fait, si tu te repositionnes sur cette idée d'équilibre au niveau des cellules, tu peux tout régler. Alors, je vois toutes les façons. Alors, j'ai plein de trucs qui défilent, mais aussi bien de la méditation que du repos, un bon environnement, une bonne nourriture. Enfin, tu vois, tu veux dire qu'il y a une partie tant physique que spirituelle, finalement. Oui, c'est ça. Il y a plein d'aspects. Le mental aussi, au niveau un mental reposé, c'est comme si, en fait, c'est fournir à tes cellules un environnement, c'est ça en fait, c'est comme tout ça, tous ces facteurs-là, ça crée un environnement pour la cellule. Et si elle a un bon environnement, elle va fleurir. Et même si elle a un mauvais environnement, tu peux toujours corriger ça, cet environnement de la cellule, et faire que... Parce qu'en fait, les cellules, ça meurt, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui naissent, et donc c'est un mécanisme qui permet vraiment de corriger n'importe quoi, en fait. Au final, l'information d'origine serait toujours présente. Ouais, tu as l'information d'origine. Et c'est marrant, je me suis dit, oui, mais l'information d'origine, c'est l'ADN, mais ça me ramène vraiment toujours à la cellule. Comme si ça, pour l'équilibre écologique, vraiment, ça part de ce niveau-là, pas du niveau d'accord. De l'ADN. Du coup, je veux bien que tu regardes s'il y a un lien entre, du coup, cette écologie interne que tu as, qui n'est pas, j'ai l'impression, au beau fixe en ce moment, et cette écologie externe, effectivement, on a l'impression que tout part en cacahuète. Est-ce que, du coup, ces deux vibrations sont ton lien? Et je vais passer la parole à Mickaël. Alors, moi, j'ai continué dans cette brèche-là que j'avais prise sur le début de l'écologie. Ouais. Et en fait, j'ai observé, en fait, j'ai pu observer que les premiers écologistes se divisaient en deux, en fait. Il y avait ceux qui, et du coup, j'ai observé qu'est-ce qui les séparait. Et j'ai vu deux élans. Alors, j'ai vu, comme je te disais, ceux qui allaient plutôt contre les gens, enfin, qui avaient compris cette intelligence et qui
qui du coup allait plutôt contre ceux qui ne voyaient pas, et j'ai vu ceux qui ont continué sur le chemin de et eux en fait ils se sont tellement vu leur découverte en fait ils ont j'ai l'impression qu'ils ont mis à l'échelle du tu vois, ce qu'ils voyaient à petite échelle hein, ils l'ont mis à la grande échelle et ils se sont du coup eux intégrés dans cet écosystème. Et en fait, ça leur a donné une confiance absolue, en fait. D'accord, ouais. Comme Du coup, ils disaient, mais tu vois, y a ceux qui ont été contre, par amour de ce qu'ils ont découvert, ne l'abîmez pas, ils voulaient être peut-être un peu les sauveurs et les protecteurs. Et il y a ceux qui ont continué dans ça, et du coup, qui sont allés de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à toucher la cellule, la comprendre dans son entièreté. Et du coup, ils ont une telle confiance qu'ils ne se sentent pas obligés de sauver ou de protéger. Ils sont intégrés dans ce tout et je sais pas, du coup, c'est là où, en fait, eux, ils s'harmonisent. C'est là où il y a une action sur l'intérieur, en fait. Il y a une sorte C'est un peu comme si d'homéostasie, l'écologie. Ouais, pas finalement, une mais... extase, justement un équilibre, un faire partir du tout et je ne suis pas plus important ou moins important quelque chose. Et cette confiance en la planète à s'auto-réguler sans aucun souci. Mais j'ai l'impression que cette voie d'accès vers l'écologiste pur, c'est quelqu'un qui... C'est spirituel, quoi. Ça le change, lui, à l'intérieur. C'est de l'amour, en fait. J'ai l'impression. Ben, c'est la compréhension. Vraiment, il y a le mot compréhension. Et du coup, il fait pas de séparation entre la nature et lui. Et du coup, il... Fait partie intégrante Ouais. De ce vivant, en fait. Il n'y a pas de Ouais, c'est séparation, ça. effectivement. En comprenant, quelque part, comme tu dis, en comprenant le vivant, il se comprend lui-même. C'est Et en ça. se comprenant lui-même, il comprend le vivant. Donc, effectivement, il y a tout un En écosystème voyant ce en qui se passe place. à l'extérieur, il prend conscience qu'il se passe la même chose à l'intérieur de lui et Bah écoute, c'est intéressant. Est-ce que bah, regarde aussi les liens qu'il pourrait y avoir entre effectivement les problématiques d'écologie interne et les problématiques d'écologie externe. Est-ce qu'il y a un ben lien? c'est exactement ce que que j'ai vu à la séparation là. Quand j'ai vu ceux qui allaient contre les autres, c'est qu'à un moment donné, ils ont pas su. Le problème, c'est la séparation, en fait. C'est qu'à partir du moment où ils ne se sont pas intégrés dans la chose, qu'ils ont créé cette séparation, et qu'ils ne se sont pas identifiés au truc, qu'ils ont voulu l'aimer, mais pas le comprendre ou pas l'intégrer, ben, il y a une séparation qui s'est créée. Et à partir du moment où il y a séparation, ben, du coup, il y a déséquilibre, et il y a conflit, et il y a plein de choses. Donc, est-ce qu'on peut dire que de recréer en fait cette harmonie en soi écologique pourrait, par du coup effet miroir, aussi faire augmenter la fréquence écologique de la Terre? Et du coup, ça pourrait être une des manières, en fait, on Une va des manières. dire, une des manières de faire monter en fréquence en fait ce terme d'écologie. Moi, c'est une des manières parce que j'ai l'impression que je suis pas sûr que je crois qu'il va falloir créer un autre terme que celui-là pour qu'il y ait Ouais, quelque on chose de sent que positif qui en ça sorte. crispe un peu, ouais, effectivement. Ouais. Ça va être difficile de le reneutraliser ce. Mais parce que pour moi, un pur écologiste, enfin. Pour moi, un écologiste, c'est les quelques rares que j'ai vus qui se sont servis de l'écologie pour se comprendre et se découvrir, comme peut le faire, je sais pas, le yoga, d'autres choses. Enfin, tu vois, l'hypnose, eux, ils ont choisi cette voie-là. Et du coup, en allant au bout de cette voie, mais j'ai l'impression que toutes les voies que tu prends, si tu vas au bout, elles t'amènent, à la même chose. Ouais. Et ben, il y a quand même cette part, comme je voyais, cette part de spiritualité à intégrer finalement. Tout à C'est pas fait. Mais du coup, juste si tu cette mets part de cette mentale. part de spiritualité dans tout ce que tu fais, tout peut t'apprendre. Moi, c'est plutôt Effectivement. ça que je vois là, qui se présente à moi. C'est-à-dire que si tout le monde met l'attitude comme les écologistes dans l'écologie, dans ce qu'ils font, ils arriveront à la même chose. D'accord. Ok.
Florence, qu'est-ce que tu captes? Ça c'est flou, alors à un moment j'ai le mot Ayurveda, alors comme en ce moment je m'y intéresse, alors je ne sais pas si c'est bien approprié ou pas. Avec donc l'Ayurveda, c'est un bon exemple de l'écologie du corps. ensuite, j'ai eu un focus sur la cellule, on parle de la cellule, et j'ai vu la fleur de vie qui s'est juste apposée sur la cellule. La multiplication de la cellule, ça correspond à la fleur de vie. D'accord. Et quand tout se multiplie bien dans un bon environnement, dans sa propre écologie. Et après, j'ai vu une cellule cancéreuse où la fleur de vie ne se reproduit plus identique. J'ai vu des mauvaises informations, en fait, mauvais capteurs, veulent capter les bonnes substances, ils en captent d'autres. Des substances qui sont des pollutions chimiques au niveau du corps, qui sont liées à la nourriture, il y a aussi des pensées. Et comme donc les capteurs ne captent pas les bonnes substances et d'autres, on ne peut pas se reproduire à l'identique. Et là, on m'a dit, il y a aussi l'influence du milieu qui n'est pas bonne, des fois. Quel milieu, l'environnement, tu veux dire? Oui, les informations qui nous parviennent. Alors, comme au départ, j'avais eu que les informations qui nous parviennent sur l'écologie ne sont pas toujours bonnes. Il y a un peu une manipulation. Bah, c'est pareil dans le corps, en fait. Il n'y a pas forcément les bonnes informations qui arrivent, qui fait que la cellule ne reçoit pas ce qui lui convient et elle ne peut pas se reproduire à l'identique. D'accord. Okay. Alors, du coup, regarde en fait les éléments qui peuvent faire en sorte que ce terme d'écologie puisse exister dans son entièreté, tu vois, que l'écologie reprenne de sa noblesse, comme disait Mickaël tout à l'heure. Quels sont les éléments là que tu captes, si tu te coupes de ce que tu étais, et tu captes juste cet élément de noblesse de l'écologie, et juste les éléments que tu capterais par rapport à ça. Sophie? Oui, donc si je regarde le lien entre écologie intérieure et extérieure, donc ça reste sur le concept de l'écologie intérieure, en fait, tu la maintiens avec des pratiques qui te correspondent. Donc, par exemple, j'ai entendu Florence parler de l'Ayurveda. C'est une pratique possible, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, mais il y a des personnes à qui ça va convenir. Donc après, c'est à chacun de trouver les pratiques qui l'aident à maintenir cet équilibre intérieur. Et du coup, après, si je regarde le lien entre l'équilibre intérieur, l'équilibre écologique intérieur et l'équilibre écologique de la Terre, ça m'a de nouveau ramené au niveau subtil. Et ça montre que, en fait, chaque personne a sa fréquence, sa vibration, et ouais. Gaïa, elle a sa fréquence. Et en fait, c'est comme si les fréquences de chaque personne sur la Terre se mélangent ou s'ajoutent à la fréquence de Gaïa, et ça donne une fréquence. Et cette fréquence elle engendre ce qu'il y a sur la Terre. Et donc, si on veut... Enfin, je ne sais pas si c'est un meilleur équilibre, mais s'il y a une montée des fréquences ou une baisse des fréquences, il va y avoir, ça va faire une situation différente sur la Terre et un équilibre différent. Il y a toujours équilibre, mais il va être dans des fréquences différentes en fonction de tout l'ensemble au final, de tous les humains sur Terre et la fréquence de Gaïa. Et quand tu dis, quand tu parles d'équilibre, ça ne veut pas forcément dire. Enfin, au niveau de la Terre, ça ne veut pas forcément dire enlever ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est peut-être aussi une autre compréhension de ce qui se passe peut-être sur Terre en ce moment. Ben ouais, ce que je sens, c'est qu'au final, on est toujours à un point d'équilibre. C'est nous qui le ressentons comme positif ou négatif. Mais c'est vraiment le résultat d'une fréquence. Donc, tous ensemble, on émet une fréquence avec Gaïa. Et ça fait que on le perçoit
c'est difficile à expliquer. Qu'on perçoit ce qui est à l'extérieur au final, mais ça vient de l'intérieur de Finalement, tout ça le monde vient. et on le perçoit positivement ou négativement. Il y a des gens qui regardent l'extérieur, l'écologie, et pour eux, tout va bien. Et à l'intérieur d'eux, tout va bien aussi, en fait. Voilà. Tu vois? Donc, il y a vraiment un lien, effectivement, avec cette vibration. Il y a d'autres compréhensions, finalement, qui se mettent en place. Peut-être plus élevées, même s'il n'y a pas vraiment de niveau, mais on sent qu'il y a un autre regard, en fait, dessus, qui est C'est peut-être ça. plus, effectivement, pris dans cet égrégore que l'on voyait, ouais. Ben, Effectivement. c'est vraiment comme si ouais, ta fréquence fait que tu interprètes ce qui se passe à l'extérieur d'une manière différente par rapport à d'autres. Est-ce que tu peux regarder, est-ce que, parce que j'ai toujours cette impression que l'individu sur Terre manque d'amour beaucoup pour lui. Est-ce que cette notion d'amour, de s'aimer déjà, aimer son corps, aimer qui nous sommes, aimer son incarnation, pourrait déjà faire du bien à cette écologie, entre guillemets, à cette fréquence planétaire? Je te laisse regarder ça. Et Michael, oui, tu avais de l'information? Je sais plus, je suis parti là. Reviens vers nous. Non, j'ai suivi du coup l'écologiste jusqu'au bout et c'était assez chouette. En fait, ce qu'il m'a montré, c'est que enfin, après, j'étais parti sur l'équilibre intérieur en fait des gens va faire que leurs perceptions seront comme elles sont. Donc, c'est forcément lié. Après, si on ne cherche pas forcément la solution à l'extérieur, ben, on peut évoluer. Mais si on, parce que moi, je vois que tout cet égrégore là de écologie, je vois dedans des gens que des gens, les gens qui y sont piégés, ce sont des gens qui cherchent une solution extérieure. Exactement, ouais. Alors que Et la donc, du solution, coup, ça peut pas finalement, mal. est autant intérieure qu'extérieure. Ben, d'après. J'ai un peu comme cette idée quand tu parles de cet homme qui serait un arbre, en fait, finalement, avec ses racines bien ancrées dans le sol et ses feuilles qui viennent capter la lumière. Toi, pour moi, il y a cette notion-là, en fait, d'aller. Ce côté spirituel de capter la lumière, mais en même temps vivre ton incarnation sur cette terre et l'écologie qui va avec. C'est exactement ça. Et puis, enfin, si malheureusement les gens qui étaient pour l'écologie avaient ne serait-ce qu'un minimum de notions écologiques, c'est ça moi qui me qui me qui me, c'est l'écart en fait de tout ce qui vont se prétendre écolo et qui n'ont pas, enfin, qui vont pour les mauvaises raisons parce que si tu vas pour la bonne raison, t'as très vite des informations qui vont Quand te tu rassurer, qui ouais. vont te nourrir, qui vont te amener des compréhensions, où tu auras envie d'aller plus à la découverte. Moi, je sens vraiment cet égrégore comme des gens qui cherchent des solutions extérieures et qui, du coup, ne se regardent jamais à l'intérieur. Ouais, ou quand je sais plus si c'est Pacifique qui disait ça, mais qui allait plutôt contre les choses plutôt que de faire les choses pour. Donc Ouais. pour Gaïa, pour la Ben, planète. y en a qui sont comme ça, mais il y en a aussi, c'est pour se donner bonne conscience, pour se dire je vais adhérer à quelqu'un qui, même si je fais des choses pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment des gens qui vont. Qui se rattachent au mouvement écologique pour des choses, pour moi, extérieures, pas pour les valeurs que ça peut Ouais. représenter. Alors, est-ce que tu peux regarder si un autre mot pourrait convenir, que ce mot écologique a l'air un petit peu quand même. Ben, en fait, moi, je vois que tout se passe, tout est individuel. Hein. C'est chaque personne. Parce que le chemin que je vois que l'écologiste fait, quelqu'un qui est fan d'astronomie arrivera au même endroit, en fait. Tu vois, c'est juste mettre du. Enfin, c'est spirituel. Enfin, j'aime pas ce mot spirituel, mais c'est juste se découvrir et s'accepter et se regarder en face, quoi, et à Et l'intérieur. puis, ouais, c'est ça. Puis, comme je disais à Sophie, peut-être effectivement se donner de l'amour aussi, Mais s'aimer. le terme amour, en fait, c'est ce qui regroupe un peu tous ces gens qui arrivent
à la destination comme l'écologiste arrive à sa destination. Qui ne Exactement. sont pas détournés des chemins, en fait. Si tu te donnes de l'amour, tu peux pas être détourné. Enfin, tu peux pas te détourner parce que là, je veux dire, l'écologie, c'est un piège comme un autre, hein. Il y en a qui Oui, vont tout à tomber fait. dans ce piège-là, d'autres qui vont tomber dans un autre. Et Un autre. tandis que si tu te donnes de l'amour à toi et que tu attends pas des choses qui viennent de l'extérieur, Toujours pareil, ouais. ben, t'évites quand même pas mal de pièges. Et puis, du coup, ta réalité est aussi assez différente. Ouais, parce que je sens, si tu veux, si tu te remplis pas d'amour, je sens comme si l'égrégore t'aspirait aussi. Enfin, tu vois, Ouais, t'étais un peu. exactement. Tandis que si t'as pas ce vide, ben, tu le vois, tu peux y faire un pas deux, et puis là, tu te rends compte que, ah non, 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 ça correspond. Enfin, Ouais. du coup, tu vois Et plus très à vite. l'écoute, exactement. Ouais. Ok. Florence, est-ce que tu as... Oui, on s'était trouvé les lettres de noblesse de l'écologie et j'ai eu un seul mot, c'est amour de soi. Je restais bloquée dessus, amour de soi, amour de soi. Ça résonne bien, ouais. Ouais, donc, pour avoir une écologie, un environnement florissant, épanoui, bah, il faudrait que tout le monde soit dans l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment la clé pour l'écologie, pour sa propre écologie, pour l'écologie extérieure. Et après, j'ai le mot toujours éducation qui revient, comme si là actuellement on n'a pas le bon contexte pour, on n'a pas les bonnes informations pour pouvoir s'aimer. Mais avec une éducation, là je vois un enfant tout petit, avec une éducation adéquate, on montre comment il faut faire, bah, tout se met en route. Et tout démarre et puis la personne s'aime et comme la personne s'aime, elle va aussi aimer son environnement. Et là, je voyais plutôt l'humanité comme un petit enfant en fait capricieux qui n'a pas les bonnes informations parce que le système et les influences de la société ne lui permettent pas en fait de s'aimer. Des influences qui font que et des barrières qui l'empêchent de s'aimer vraiment de soi. Mais toujours une possibilité pour qu'il accède. Hein. Après, quand on se pose des questions et quand on Par la cherche, on suite. trouve. Hein, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'influences qui ne permettent pas d'aller vers l'amour de soi. Et donc, une écologie par la suite interne et externe qui n'est pas la bonne. Effectivement, Voilà, qui l'autre mot, c'est amour de soi, là. Je vois que ça. là, ça vibre bien, ça. Et Sophie, qu'est-ce que tu as, toi? Ouais. Donc c'était l'amour de soi. En fait, ce que j'ai vu, c'est que l'amour de soi, bah, ça fait partie de ces pratiques dont je parlais avant, qui font qu'on maintient un certain équilibre, qu'on est dans une certaine fréquence en fait. Et donc, bah, forcément, l'amour de soi, ça fait monter cette fréquence. Et ce que je voyais aussi, c'est que cette fréquence dans laquelle on se trouve, ça change le regard qu'on a sur les choses à l'extérieur aussi. Parce que là, au final, elles sont comme elles sont, mais on peut les interpréter d'une manière différente. Et quand on est dans l'amour de soi, on va plus se diriger vers une interprétation positive des choses à l'extérieur. L'exemple, il pleut dehors, pour certains ça va être bien qu'il pleuve, et pour d'autres ça va pas être, pas mieux, ça va être bien parce que c'est l'été et il faudrait du soleil, et une autre personne va se dire oh non, bah, la pluie, moi j'aime la pluie, je suis content de voir qu'il y ait de la pluie, et il serait content aussi s'il y avait du soleil. Et au final, cet amour de soi, ça se reflète à l'extérieur. Le regard qu'on pose à l'extérieur et aussi l'image qu'on donne de soi à l'extérieur, du coup. Très intéressant. Eh bien, on va conclure là. On peut du coup conclure qu'en premier lieu, au niveau de l'écologie, bah, c'est de te donner de l'amour, déjà beaucoup d'amour, et puis que le reste suivra au niveau de Gaïa, j'imagine. Voilà, mais écoutez, merci pour cette enquête, et C'est à nous de puis à suivre, c'est bientôt. pas à Gaïa. Ouais, c'est à nous de suivre, effectivement. Mais en tout cas, le premier point, c'est quand même l'amour. L'amour de soi, en priorité, j'ai Ben oui. l'impression. Eh bien, Et merci beaucoup. juste un truc, parce Ouais. qu'en fait, je me dis, quand je raconte les trucs, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Et en fait, parce que tu vois, je dis,
ça vient de l'extérieur, mais ça va vers l'extérieur, mais l'extérieur aussi influence. Et en fait, c'est comme des, je vois comme un petit tourbillon comme ça, et c'est un cycle, tu vois. Donc, ce qui vient de l'extérieur se reflète à l'extérieur, mais l'extérieur nous influence aussi. Et donc, il y a comme un. Ouais, c'est comme une boucle comme ça. Ce que voyait Michael, effectivement. La dernière image que j'ai eue, en fait, c'est quand tu as parlé d'amour de soi, c'était quelqu'un, en fait, qui se centrait en lui et qui, en fait, avait tout plein de choses autour de lui qui pourraient arriver, l'écologie, l'astronomie, des égrégores, des machins, des trucs. Et le fait qu'il se centre en lui, en fait, et qu'il mette un pied dans ces choses-là, ben, en fait, c'est comme s'il allait chercher des informations. Et ceux qui sont dans les égrégores, ben, ils sont là pour une raison, pour voir des choses, pour comprendre des choses. Donc, effectivement, c'est tout le temps. Moi, j'ai vraiment cette position où tout est juste. C'est-à-dire que si tu es équilibré, ben, tu es dans ton espace. Si tu ne l'es pas, tu es dans un espace qui va te montrer tes faiblesses, en fait, ou tes choses. Donc, c'est vraiment ce côté. Les gens qui sont en mode écolo, anti-écolo, ils sont, quoi qu'il arrive, à leur place. Juste que s'ils se centrent un minimum, eh bien, ils vont. La position dans laquelle ils sont va leur faire comprendre. Des Il choses y aura pour une eux. évolution. Ouais. Ok, bah, écoutez, super. Une belle compréhension. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Una vez un pez grande, un pez inmenso. Aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica.